Allô, chef! Allez, François, je t'adore! Ça va, Grazi? Hey, aïe, aïe. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête! Nathan! Si tu rentres, Nathalie. Nathalie, je te parle. T'as cette heure-ci que tu rentres? Et t'as vu? Elle a encore lancé son cartable comme ça contre le mur. C'est bien que ça ne me plaît pas de lancer ton cartable comme ça contre le mur. Voilà, il va rester là, assis dans le corridor jusqu'à la fin du week-end. Tu vas voir, on est vendredi, hein, tu vas voir, lundi, le cartable n'a pas bougé de place. Hein? Ah, tu vas encore faire tes devoirs, oui, oui, tu les fais par cœur, oui. Ton cartable, il ne bouge jamais de place quand tu rentres. Aux vacances de Pâques, ça a été la même chose. T'es rentré, il est resté là, il n'a pas bougé. Comment il a bougé? Il n'a pas bougé. Le cartable est resté là pendant 15 jours. Le chat a même fait ses jeunes dedans. Et c'est à cette heure-ci que tu rentres, t'as vu l'heure? Hein? Oui? Il est 7h moins le quart. Oui, eh ben oui. Et à quelle heure que tu devais rentrer? À 7h. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Ben à cause de toi, on mange froid. Ah ben oui. Ah ben oui, je n'ai pas eu le temps de réchauffer, moi. Hein? Merci. Et toi, ton papa est déjà là. Tu vas te laver les mains et tu t'assieds. On va manger. C'est vrai, hein? Ouh, il est grand temps qu'elle parte d'ici. Hein. Moi, j'en peux plus. Hein. Je n'en peux plus. Hein. Allez, viens t'asseoir. Et c'est encore un nouveau, celui que j'ai vu par la fenêtre, là. Quoi, c'est pas un nouveau fiancé, ça? Il t'a roulé un steak assis. Oui, mais il te roule des steaks au moment de manger, après on s'étonne que tu ne manges pas. Pas possible, ça. Mais Gérard, depuis que tu as remplacé l'ampoule du frigo, hein, on va avoir une fameuse note à Electra Bell, hein. Encore un nouveau fiancé. Ça fait le 6e ce mois-ci. Et on n'est que le 12. Et c'est un Belge au moins cette fois. Oh non, oh ben ça, ce serait trop beau, hein. Ce serait trop beau. Je n'ai rien contre les étrangers, Gérard. Mais quitte à ce qu'elle nous ramène un étranger, elle ne sait pas nous ramener, je ne sais pas moi, à Suisse. Ou à Luxembourgeois. Quelque chose de propre. Note que si elle trouve un luxembourgeois installé en Belgique, c'est que c'est déjà un fameux imbécile. Hein. Alors, réponse, c'était à quoi celui-là? Hein? Un Américain. Ouh! Il a du progrès. Un Américain, tu entends? Hein? Un chômeur, comme d'habitude. Il a du travail. Mais c'est de mieux en mieux. Un Américain qui a du travail. Hein? Qu'est-ce qu'il fait comme travail, ton Américain? Il est vendeur. C'est pas si mal, c'est un début. Comment est-ce qu'on dit vendeur en Américain? Dealer. Il est dealer. Hein? Quoi? N'ai rien dit, moi j'aime autant ça qu'un drogué, hein? Et t'as encore fait ton affaire sur la banquette arrière, comme t'es là. Il t'a fait ton affaire sur la banquette arrière, je le vois dans tes yeux. Je te connais comme si je t'avais fait. Parce que je le sais. Regarde-moi ça, t'as tes mains toutes sales et t'es toutes décoiffées. Oui,
Oui, je sais bien. Je sais bien, on te l'a raconté. Ton papa aussi, quand on était fiancés, qu'il me ramenait à ma maison, il me faisait de temps en temps mon affaire sur la banquette de derrière. C'est vrai. Mais lui, il ne me ramenait pas en bus. Oh, mais je suis gêné, hein. Je n'ose plus prendre le 17 barré, moi. Et t'as pris tes précautions, au moins? T'as pris tes précautions? J'espère bien, hein? Parce que je te l'ai dit, moi, je m'en fous, mais dans la famille de ton papa, il n'a jamais eu un avortement. Oui, d'accord, il n'a que des frères. Et alors? Tu sais pas prendre la pilule, comme tout le monde. Quoi, ça fait grossir, ça fait grossir. Et alors, ça fait grossir? S'en fout, t'es déjà grosse. D'ailleurs, mange. Mange. Mange! Tu m'énerves, tu vas pas encore laisser ton assiette assise, hein? Tu manges maintenant. Mais tu viens toujours avec elle. Nathalie, au matin, je t'ai demandé ce que tu voulais manger au soir. Résultat, tu ne manges pas. Oui, d'accord, c'est pas ce que tu m'as demandé. Et alors? Oui, mais t'as vu ce qu'elle me demande aussi. Des filets de sol. Des filets de sol, des filets de sol et des filets de sol. Si j'écoutais, ce serait tout le temps des filets de sol. Tu sais combien ça coûte un filet de sol? N'est pas un portefeuille sans rivet, moi, hein? Des filets de sol. Elle va tourner un filet de sol si ça continue. Moi, je veux bien que tu manges des filets de sol, hein? Mais on devient ce qu'on mange, hein? Fais attention, hein? Si ma maman, elle l'a toujours dit, on devient ce qu'on mange. Eh bien, tu veux manger des filets de sol? D'accord. Tu n'auras jamais des grosses têtes comme maman. Si, parfaitement, hein? On devient ce qu'on mange. On devient ce qu'on mange. Ma maman l'a toujours dit. Allez, mange ton boudin. Mange! Tu m'énerves, hein? Et non, donne pas au chien! Non, donne pas au chien! La dernière fois, il était malade! Nathalie, tu m'énerves, hein? Tu manges! Je te préviens, Nathalie. Je te préviens. Je t'aurais prévenu, hein? Tu ne manges pas, je suis d'accord. Hein? Mais demain, tu remets la même assiette, hein? Oui, je sais bien que je le dis, mais là, je le dis, mais je le fais, hein. Si demain, tu ne manges pas, après-demain, t'as la même assiette, hein. Je le fais, hein. Je le fais, hein. Cette fois-ci, je le fais, hein. J'ai déjà dit que je le dis, mais là, je le fais, hein. Et si après-demain, tu n'as pas mangé, après-demain, t'as la même assiette, hein. Tu m'énerves, hein. Et si après-demain, tu n'as pas encore mangé, eh bien, le lendemain, t'as de la chance qu'on va manger chez ta bobonne. Quoi, c'est dégueulasse. Ah, tu entends ça? Tu entends ça? C'est dégueulasse. Tu n'as pas encore touché. Comment est-ce que tu peux dire que c'est dégueulasse? Il n'a pas de cheveux dans ce que je prépare. Il n'a pas de cheveux dans ce que je prépare. Ce n'est pas... Mais c'est pas un cheveu, hein? T'as un bigoudi. Mais avec le croquette, je ne l'ai pas vu, hein, moi. Mange des grimaces. M'énerve. Nathalie, tu as vu au journal télévisé le petit Irakien? Tu as vu comme il avait faim? Tu l'as vu, l'Irakien? Qu'est-ce qu'il dirait si on lui donnait un beau boudin comme ça, l'Irakien? Non, il ne dirait pas qu'il est musulman. Il le mangerait. De toute façon, toi, t'es catholique, ça ne compte pas. Tu manges. Mange! Et doucement. Mange doucement, et tu avales. Avale. Avale avant de remettre dans ta bouche. Mais regarde-moi ça. Elle ne mange pas, et maintenant elle en met assis dans sa bouche. Regarde, on dirait un ster jovial. Avale. Tu vas t'étouffer. Et où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas avec ta bouche assise? Oh, tu vas faire pipi, mais après tu reviens pour terminer ton assiette, hein? T'as vu ça? C'est vraiment pour me faire enrager. Elle ne mange pas, et après elle se goinfre. Elle a une bouche assise. Elle va faire pipi avec une bouche assise. Nathalie, ne crache pas dans le cabinet, hein? Nathalie, viens ici, ne crache pas dans le cabinet, la dernière fois t'as bouché les canalisations. Nathalie! You know, today, I just woke up, and I said, you know, instead of waiting on a good day,
waiting around through ups and downs, waiting on something to happen.